Yo les gens, c'est Niwo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je pense que vous attendez tous, la présentation de mes achats au Japon. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre avec les mangas, donc mangas japonais bien évidemment. J'allais pas acheter des mangas français au Japon, je sais même pas s'il y en a. Donc pour commencer on a le deuxième tome de Green Blood. Je crois qu'ils les avaient tous sauf que c'est celui que je trouve le plus joli. Tout simplement, je trouve qu'il est vraiment vraiment stylé. Je l'ai pas payé le prix indiqué. Oh, ça m'énerve cette macro. On va laisser la macro non automatique parce que sinon ça va être trop galère. Je l'ai payé je crois 300 yens. Voilà, si je dis pas de conneries, bref. C'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, que j'ai pu lire entre deux quand je vous en avais parlé, donc vraiment sympathique. Ensuite, le premier tome de Ah punaise, avec le deuxième, donc de Shuzo Oshimi, un auteur que j'aime tout particulièrement, je pense que vous le savez si vous me suivez régulièrement. Voilà, hop, les deux tomes donc, qui sont parus, il n'y en a pas encore d'autres, malheureusement d'ailleurs. Ensuite, alors, ça va être un peu plus galère à vous montrer, la collection complète, en tout cas de ce qui est sorti du manga, oh, je sais plus le nom, ah j'ai perdu le nom. Alors, la première couverture, la deuxième, la troisième, vous voyez c'est bien emballé, hein. La quatrième, la cinquième et la sixième. Donc il y en a quand même pas mal, hop, on va poser tout ça. Et ceux-là, je les ai payés, c'est écrit dessus, 150 yens unité. Donc c'est vraiment très très correct, je trouve le prix c'est assez conséquent, c'est un peu plus d'un euro, donc c'est vraiment pas cher. Ensuite... Donc ça c'est Extra Game un petit peu avec bon, une histoire, c'est ce qui se passe après en fait, après Kuroko, donc après ce qu'on voit en animé, etc. Ah, une petite pub job, bref. Ça pareil je l'ai payé 200 yens je crois, 250 yens, bref, voilà. Ensuite le tome 28 toujours de Kuroko, parce que j'adore Kuroko, donc j'avais vraiment envie de marquer le coup on va dire, et je trouve qu'il était très joli. Je l'ai pas payé cher, j'ai payé 200 yens donc voilà. Ça c'est un caractère bible, donc c'est vraiment le truc avec toutes les explications, une pub à la fin mais ça on s'en fout un peu, et avec une espèce de couverture plastifiée, donc c'était à 700 et je l'ai eu à 400 finalement. Donc ça va, vous voyez, vous enlevez la couverture, en fait c'est comme ça, c'est vraiment transparent. Bon, je trouve ça assez sympa, assez sympatoche. Bon ça c'est pas pour moi, c'est pour ma copine, mais voilà, je pense pas que ça vous intéresse spécialement. Ensuite, le 24e tome de Prisonnier Riku. Je pense que si pareil, si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'adore Prisonnier Riku. Donc je voulais prendre vraiment le dernier tome sorti que j'ai eu à 300 yens, si je dis pas de conneries, donc toujours un peu moins cher que le prix neuf. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mangas, même que ce soit d'occasion ou neuf au Japon, même des dernières sorties comme celle-ci par exemple. Le 17e tome d'Assassination Classroom, d'ailleurs la fin est annoncée, ça va très très vite se terminer. Là vous avez le prix 320 yens, donc ça c'est un petit peu moins cher, normalement c'est 400, donc ça fait toujours un petit peu moins cher, autant le prendre dans cet état-là, de toute façon c'est état neuf, enfin, les Japonais ils en font très très attention. Ensuite... Star que j'ai payé 300 yens, donc le premier tome, voilà, qui est à la base à 600 et quelques, donc je pense que c'était un bon prix. J'avais vu les scans, enfin je les ai pas lus, hein, mais je les avais vus et je trouvais ça intéressant, enfin ça avait l'air intéressant, donc je me suis dit que j'allais me prendre le tome. Bon, alors, toujours une petite pub, il y a toujours des pubs jeunes, nous il y en a quand même beaucoup moins souvent. Voilà, ensuite, donc ça je vous laisserai voir après. Ah, le 7e tome de My Hero Academia. My Hero Academia, j'adore, vous le savez, encore une petite pub. J'adore tellement que je me suis dit que voilà, j'allais marquer le coup en prenant le dernier tome sorti, qui est vraiment très joli. Je pense que j'aurais pas pris le dernier s'il était moins joli que ça, mais là il est vraiment sympa. Ensuite, je voulais marquer le coup, voilà, le truc basique, un tome de One Piece. Attendez, je vais voir, juste regarder c'est lequel. Allez, voilà, plein de pubs, voilà, c'est du One Piece, il y a limite pub. 76, c'est le 76e tome, c'est pas le dernier sorti, mais je crois qu'il était à 150 yens, donc autant vous dire que j'ai préféré prendre celui-là. Voilà, donc sympa, c'est pour vraiment pour marquer le coup, parce que bon, je suis pas du tout à jour sur One Piece, mais j'avais vraiment envie. Attendez, ça, vous ne voyez pas ce que c'est, on va déballer ensemble. Alors,
Ah, magique. Qu'est-ce donc? Platinum End, tome 1, 2, Takeshi Obata et Chu machin Oba, je sais jamais son prénom, mais bon, c'est pas le plus important. Alors eux, ils mettent une pub du manga dans le manga. Ils sont très très forts, sincèrement. Voilà, que j'ai eu à Book Express dans le métro. J'étais très heureux de le trouver. 450 yens, bon bah je l'ai payé 9 pour le coup. Et voilà, il brille de mille feux, ouh. Ensuite, le dernier. Alors à votre avis, qu'est-ce que j'aurais pu prendre selon mes goûts? On va voir. Ah, vous êtes spoil. Ah, non. Et oui, c'était One Punch Man. Tanana. Bon, vous avez vu, mais c'est pas grave. Le septième, parce que il n'y avait pas le dernier, sinon j'aurais pris le dernier, bien évidemment. Mais du coup, j'ai pris le plus beau de ce qu'ils avaient. Donc voilà, j'ai pris le septième. Enfin, le plus beau avec mes goûts, bien évidemment. Voilà, c'est tout, entre guillemets, ce que j'ai pris comme manga. J'en ai pris quand même pas mal. Du coup, on va passer aux cartes. Ouh, youi. Donc ensuite, je disais, c'est parti, on va faire le Pokémon en premier. Donc tout d'abord, en Pokémon, j'ai pris... Attends, je vais poser ça là. 5 boosters de XY Break Léviator Rouge Shiny, vous le dites comme vous voulez. Voilà, donc 5 boosters que j'ai pris au Pokémon Center à 150e unité. Donc là, on est à du 750e. Quoi, voilà, pour 150e, ça fait même pas. Si, 1,20€, on va dire. C'est pas cher, hein. C'est pas cher du tout. Bref, alors on pose ça là, comme ça, ça fait le petit décor. Ensuite, 5 pareil boosters XY Break Red Impact, comme ils disent. Voilà, pour marquer le coup, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ça et pas d'autres juste après. Enfin, juste après, très vite, on va dire. Des petites pochettes de protection, j'en aurais besoin pour les cartes. Ensuite, c'est parti loin. Une display, donc booster box de Red Impact XY Break toujours. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour ça que j'ai pris des boosters en loose pour pouvoir faire quand même une ouverture. Mais celle-ci, c'est pour moi XY Break Blue, je sais pas quoi. Blue Impact, mais je crois pas que c'est Impact pour celle-là. C'est pas grave. Et donc la booster, ça c'était à 350 yens environ le paquet. Et ça, je les ai payés 2800 yens unité. Voilà, ça fait environ, on va dire, 23€ à peu près. Voilà. Même un peu moins. Bon, bref, on sait pas, on s'en fiche. Voilà, alors ça, bon, c'est un petit peu chiant parce que vous allez avoir du mal à le voir. Voilà, si je fais comme ça, c'est bon. Vous avez une carte jumbo, donc, de Mega Mewtwo Y, je crois. Avec là, une petite carte aussi promo, je crois, de Mewtwo X. Ou bien c'est une carte du truc, bon, bref. Peu importe, 4 boosters XY Break donc de Léviator et 4 boosters avec Mewtwo Red Impact. Voilà, donc ça c'est un gros paquet que j'ai eu à un peu plus de 1200 yens, donc c'était largement valable, on va dire. Ensuite, une display Dragon Ball BT01 et Cardass. J'aurais voulu prendre BT02, mais j'en ai trouvé nulle part. J'ai même pas trouvé de booster, vous imaginez. Pourtant, j'ai regardé à pas mal de boutiques. Je sais pas, ils étaient en rupture. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Du coup, j'ai pris 3 boosters en loose. Vous savez, dans les machines qui sont à côté des gâchapons. On en trouve en loose qui sont pas mal, mais bon, ça vaut pas le reste. On va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai pris. Et ça, oui, ça, j'ai payé que 2100 yens. Voilà, donc c'était un peu moins cher. Ça, 600 yens, donc c'est des protections. Bon là, il n'en reste plus beaucoup parce que j'ai dû emballer certaines cartes pour le transport. Mais je garderai bien sûr ces pochettes pour l'ouverture de cette display. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que j'ouvre une display complète dans les displays que j'ai ou ce sera en plusieurs parties. Ensuite, alors, des petits paquets en loose. Donc, un paquet en loose à 100 yens. Ce qui n'est pas cher, on est d'accord. Qui n'est pas cher, donc de Toriko apparemment. Voilà, de Toriko. Ensuite, un petit encore en loose de Toriko toujours. Ensuite, nous avons ceci qui est un starter, le premier starter set
de Dragon Ball Secardas, donc qui va avec BT01 justement, que j'ai eu à 300 yens en promo en fait. Normalement il est à 600 yens et je l'ai eu à 300. Donc je trouvais que c'était une affaire, je me suis dit de toute façon ça complétait ma collection de BT01, donc c'était bien pratique. Ensuite, bon là c'est des, voilà ce que je vous disais, des cartes en loose, mais il vous en manque, je vais essayer de vous les sortir tout à l'heure, voilà, avec un petit paquet. Du One Piece vite fait, parce que j'en ai pas trouvé non plus, laissez tomber quoi. Et là, deux rares, bref. Peu importe. Ensuite, encore des paquets en loose, donc toujours à 100 yens. Mais cette fois de One Piece, oula ça tombe. Ouh, vous entendez le bruit? Ça c'est le gros paquet de cartes Dragon Ball Heroes qui se casse la gueule. Bref, 100 yens, donc avec du One Piece, du Toriko, je crois que c'est les G-Heroes, vous savez, quand il y avait plusieurs séries. En fait, ils se cassent la gueule à chaque fois que j'en ai un paquet. Voilà, donc ça c'est toujours la même chose à 100 yens, toujours 100 yens, ça fait moins d'un euro, hein, quand même, et pourtant c'est quand même assez épais. Donc vous aurez les ouvertures de ça sur la chaîne prochainement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez que je vous présente en premier. Ensuite, un dernier que j'avais ouvert en fait pour regarder si ça valait le coup le contenu. Ça a l'air d'être sympa, après il n'y a pas l'air d'avoir trop de rares par rapport à ce que j'ai eu dans Dragon Ball Heroes. Allez, voilà le paquet qui bouge. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais à tout prix, que j'ai payé la peau du cul, putain, je l'ai payé 5100 yens. Parce que j'ai payé les boosters à l'unité parce que je ne trouvais pas une display basique. Vous savez, les displays en général, normalement, c'est un peu moins cher. Il y a une toute petite réduction quand tu prends un booster, d'ailleurs, elle est complètement pétée, elle a pris trop cher dans le voyage. Et là non, bah du coup il m'a demandé au booster. Donc voilà, vous avez 24 boosters. Donc ça je pense que je ferai voilà 3 ouvertures de 8 boosters pour ouvrir sa display, donc en 3 parties. Et ça j'aimerais beaucoup le faire en premier parce que j'aime beaucoup One Punch Man. Et vous me dites ce que vous voulez en premier dans les commentaires en carte, hein. Vous me dites en carte et vous me direz en figurine et vous me direz en goodies. Bon, vous me direz un peu tout. Et pour finir en carte, excusez-moi, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un gros lot de cartes. Alors attendez. Ah, ça doit vous casser les oreilles, mes pauvres. Mes pauvres, mes pauvres. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais m'arranger pour vous. Bon, déjà, je vais vous montrer celle que j'ai eue dans les boosters en loose. Et puis, je vais vous montrer que j'ai quand même pas mal de rares, mais ça prend une vidéo, donc je vais pas trop vous montrer non plus. Donc, en rare que j'ai eu dans les 3 boosters en loose. Attendez, je vais rapprocher un peu du coup la caméra et je vais faire la macro. Voilà. Donc voilà, au niveau des boosters, voilà, des cartes en loose, donc j'ai eu celle-là. Celle-là, je l'ai vue, genre, elle part à 9€ sur eBay. J'étais en mode OK. Et celle-là de Brack. Brack. Ouh. En fait, les deux sont de Badak. Bon, j'ai fumé la moquette. Et celle-là, en fait, ce qui est bien. Ah, mais vous allez pas voir avec la pochette. Ah, je me suis fait arnaquer. Celle-là que j'ai eu dans un paquet de bonbons, voilà, à 180 yens, avec le paquet de bonbons bien évidemment, donc de Sangoku Super Saiyan G4, voilà, avec la petite pochette swag. Et puis j'ai sinon un lot de rares assez conséquents, on va dire ça comme ça. J'en ai quand même pas mal, mais vous le verrez dans une prochaine vidéo avec toutes les autres cartes. Je vous ferai peut-être des vidéos par série de cartes. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau de Dragon Ball Heroes bien évidemment. On va vous faire une petite macro sur le fond. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, du coup, on passe à la suite. Tout de suite. Donc ensuite, on va faire les peluches. Il n'y en a que 3, donc ça devrait aller vite. D'ailleurs, les 3 sont du Pokémon Center. Alors, on recule un petit peu. Voilà. Donc un petit Pikachu basique, 1200 yens. Voilà, 1200 yens. Pokémon Center, donc qui n'est pas pour moi, qui pour ma copine. Again! Wouh! Coucou, je m'appelle Pikachu. Je suis swag. Vous ne me voyez pas net. On s'en bat les couilles, frère. Est-ce qu'on peut te voir net d'ailleurs? Là, on te voit quasiment net. C'est swag en fait. Bref, peu importe. Voilà, notre petit Pika. Ensuite, beaucoup plus imposant, bien évidemment, nous avons le Pikachu Dracaufeu. Qui est trop mignon, ça c'est pour moi, voilà, c'est mon âme de gros enfant qui ressort pour dormir avec mes peluches. Voilà, on va les mettre derrière les petites peluches. Et la dernière, je fais toujours dans l'originalité, voilà, encore un Pikachu. Voilà, Tenefix, c'est toujours la même collection que l'autre. 2000 yens, cela, 2000 yens. N'oubliez pas que les prix, la plupart du temps, de ce que je dis,
sont hors taxes, puisque les taxes au Japon se rajoutent à la caisse. En gros, vous avez un prix, mais non, vous payez encore plus cher. Oh oui, trop génial. Voilà, avec le petit derrière, tranquillement. Il est très très cute celui-là. D'ailleurs, je crois qu'on va le laisser en fond, parce que c'est... Voilà, donc, ceci, c'est des cartes. Donc des cartes, vous savez, c'est des cartes basiques, voilà, en carton, avec un design 100 yens que j'ai eu à Mandarake. Donc ça, c'est un truc d'Ichiban Kuji à la base. Là, on passe vraiment dans les goodies, dans l'Ichiban Kuji, etc. Hein, donc c'est vraiment les trucs basiques. Ensuite, nous avons ceci, que vous ne voyez pas encore. Qui sont deux petits Kuroko tranquillement, en plus on est calme, donc on peut avoir pas mal de choses. Ça, je vous ferai une vidéo avec des trucs regroupés, hein, je veux dire, voilà, des ouvertures avec ça regroupé, peut-être avec des gâchés à plonger, je sais pas, peut-être pas, je ferai peut-être avec d'autres trucs dans ce style là où on sait déjà le design, mais voilà, ça c'était le lot L, voilà, truc de merde logiquement, mais bon, moi ça me convient parfaitement. Ensuite, voilà, le lot H, ça c'était à 300 yens et les autres c'était à 600. Pour vous dire, 600 yens pour l'Ichiban Kuji, hein, j'ai vraiment fait le truc et tout. Bon, ça je me suis fait un peu couiller quoi, 600 yens le truc, mais c'est pas grave. Ça c'était 300. Et en plus, il est trop mignon. Ça c'était dans un combini, Family Mart, juste à côté où j'étais hébergé. Ils avaient fait une petite promo. Ensuite, encore toujours du même, cette fois-ci Ichiban Kuji. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est le lot E, mais je sais pas du tout ce que c'est. Bref, je verrai quand je l'ouvrirai, pareil, vous ferez sûrement une vidéo, voilà, vous verrez. Attends, vous me dites ce que vous voulez en premier, dans chaque catégorie que je vous montre. Hein, bien évidemment, on va pas faire en fonction des autres catégories. Ensuite, toujours Ichiban Kuji, parce que c'est un peu le but. Le Lokia, Kuroko, j'ai choisi de prendre Tetsuya et Kagami. Voilà, j'avais envie, voilà, j'ai décidé. Ensuite, nous avons Pokémon Center, ça j'ai acheté au Pokémon Center, de toute façon, vous voyez bien en bas. Un petit porte-clés avec Fennec. Oh, Fennec, c'est tellement mignon. Voilà, je trouvais trop mignon. Vous savez, c'est l'édition de Noël, je trouve ça trop cute. Ensuite, le lot F, c'est le truc le plus pourri que j'ai, je crois. Genre, c'est trop, je sais pas, c'est inutile. Ça sert à rien. Et c'est toujours le truc à 300 yens, bref. Ça, je crois que c'était dans les 600 yens. Voilà, à peu près. Voilà, moi, je connais pas les prix par cœur non plus, mais ça va. Ça. Un petit Armin, il est trop cute comme ça. Plus de 200 yens, donc ce qui n'est pas très très cher. Hein. Ça, vraiment, ça c'est dans les choses... Dans les magasins avec vraiment des petits sachets en loose, comme ça, il y en a plein, je vous montrerai, j'ai eu plein de petites figurines comme ça, à Nakano. Et ça, c'était super sympa. À Nakano, j'ai vraiment pas été déçue. C'est vraiment là que j'ai fait les meilleures affaires. Ensuite, toujours du Pokémon Center. Un petit Pika, bon c'est une figurine, mais je trouvais vu qu'elle était vraiment toute petite, je vais vous le montrer là, dans les 300 yens, 360 yens si je dis pas de conneries. Voilà, un petit Pika, c'est pas hyper cher, même si bon c'est très petit, mais je trouve que ça reste correct. Ensuite, de l'Ichiban Kuji de One Piece en vert, je pourrais pas vous le montrer, de toute façon vous le verrez en vidéo plus prochainement, parce que bah en fait j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, c'est le lot E. J'ai fait deux tickets, c'est pareil, 620 yens, c'est toujours 620 yens la plupart en fait. Il y en a certains à 300, mais il faut vraiment les trouver. Personnellement, j'en ai vu très 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 peu. Ensuite, toujours, voilà, dans le Ichiban Kuji One Piece, le loger, c'est une espèce de petite serviette. Voilà, tranquillement. Ensuite, dans l'Ichiban Kuji de Kuroko, voilà, un petit espèce de petit sac, c'est le I, je sais pas, c'est assez chelou. Et j'ai pris avec qui c'est, si tu peux être connerie. Je crois que c'est qui c'est. Est-ce que c'est qui c'est, vous pensez? Ceux qui sont fans, est-ce que c'est qui c'est? Oui, c'est qui c'est. Voilà, j'ai décidé que c'était qui c'est. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste, les amis? On ne sait pas. Voilà. Alors, il nous reste ça. Alors, ça, c'est un lot. Donc, d'Ichiban Kuji, pareil, de Seraph of the End. Donc c'est des espèces de cartes en fait, il y avait plusieurs choix, voilà, je sais pas si vous pouvez voir. Non, on peut pas voir les choix, c'est pas grave. Donc voilà, deux lots, sympathiques, bref. Avec notre petit Yuichiro et notre Shio. Shio, je m'appelle Yo. Je suis un Shio, blague la plus nulle, voilà, la moins recherchée du monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste, les gens? C'est derrière. Ah, c'est derrière. Ah, j'ai tapé dans le micro, ça va vous faire mal aux petites oreilles.
Alors ça, c'est une grande affiche. Voilà. Une grande affiche avec plein de petits pika transparents. C'est pour le premier anniversaire du Pokémon Center Mega Tokyo à Ikebukuro. Voilà, donc avec plein de petits pika, c'est trop mignon, je trouvais ça trop cute. Donc voilà. Ensuite sac, bon, sac de Pokémon Center basique. Voilà, avec Pika, Fennec, Marisson, Grenousse. Voilà. Ensuite, toujours Ichiban Kuji. Ah oh, faut que j'arrête de taper la caméra, la pauvre. Donc c'est le lot J. Voilà, avec ça, c'est pas pour moi, c'est pour ma copine aussi. Avec deux petites cartes à l'intérieur et en fait c'est deux pochettes. Voilà. Deux pochettes, voilà, comme ça. Et je trouvais ça super mignon, sincèrement. Enfin, limite, je suis contente d'être tombée dessus, même si c'est pas un lot hyper, hyper chanceux, entre guillemets. Là, c'est ça, c'est ce que j'ai pris pour moi. Donc, ça, c'est l'équipe de Seiri. Voilà, Koko, Kagami. Le mec qui fait chien. Ah, Tepei. Et lui, je sais plus son nom. Ah, ouh, le pauvre micro à chaque fois. Mais je suis pas douée, c'est un truc de ouf. Seijo Akashi. Donc, Akashi, c'est mon perso préféré de Koko. Parce que c'est ça. Voilà, avec les petites cartes tranquillement. Et ensuite, bah moi j'ai un grand sac pareil Pokémon Center. Comme ça. En fait c'est quasiment le même. Quand même que c'est. Ouais, c'est le même mais en rouge. Voilà. Et en gros. Donc c'est rien que je vous déplie totalement et que ça m'encombre. Ensuite, voilà, une petite pochette pareil. Pour le Poké Pikachu détective. Je sais pas quoi. J'ai pas trop compris leur truc. Ouais. C'est un petit peu compliqué. Mais voilà. C'est une petite pochette. Mais ça, c'était pas à payer ou quoi. C'était offert. D'ailleurs, bon, au niveau des Ichiban Kuji, tout ce que je vous ai montré, c'est 620. Sauf celui que je vous ai dit qui était à 300. Mais c'est 600. Alors, toujours un Ichiban Kuji de Serfazienne. Je me suis tapé vraiment des lots de merde. À part en figurines. Mais bon, c'est pas des filles. C'est pas des grosses figurines, c'est des filles. Donc. Finalement, c'est pas hyper avantageux. Voilà, c'est une espèce de petite serviette. Bref, ça fera de la déco. Ça, c'est vraiment. Ça sera en dessous de mes trucs intéressants, entre guillemets. Mais je trouve ça bien quand même. Bon, ensuite j'ai mis les gâchapons. Mais le problème c'est que je vais plus vous mettre une photo parce que au niveau des gâchapons, je veux dire, je vais pas vous les montrer un par un, sachant que de toute façon vous les verrez en vidéo en fait. Ça va vous spoiler, c'est débile. Mais pour vous dire, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 gâchapons, donc on. Je répartirai tout ça parce qu'il y a des séries, il y en a plus, il y a des séries, il y en a moins, des séries, j'en ai qu'un. Enfin, voilà, ça serait vraiment réparti. Un peu au pif, je pense, mais ce sera soit un peu rigolo et c'est que du manga. Que du manga parce que c'est ce qui m'intéresse. Donc, du coup, bah, les gens, on va directement passer aux petites figurines. Voilà, les petites figurines, voilà, c'est les petites figurines chibi, on va dire. Donc, tout d'abord, voilà, on va faire ça comme ça. 250e qui est à la base à 700, je pense, je sais pas si on peut voir. Mais qu'elle est tombée. Bref, il est marqué 700. Voilà. Donc le lot J normalement, mais c'est pas vraiment le lot J, bref, peu importe. Donc avec le. Je sais plus du tout son nom. Mais voilà, c'est pas pour moi de toute façon. Donc t'inquiétez pas, c'est pour ça que je connais pas le nom. On va dire. Regardez. Ouh, je suis le plus beau buzz. Arrêtez de m'insulter. Je suis trop beau. Bon, arrêtez mes conneries. Voilà, donc il y a lui. Voilà, le loger. Ensuite, nous avons notre petit Akashi. Alors, il est où? Attendez, voilà, là, il est net. Akashi, qui est toujours mon perso préféré, ça n'a pas changé en deux minutes. Lolo H, j'étais trop contente de l'avoir. Pour le coup, même si c'est pas le meilleur lot, je le voulais absolument. Ensuite, le lot C. Oui, j'ai eu un lot C. Voilà, c'était ça mon lot C. Vous voyez, dans certains Ichiban, le lot C c'est genre un truc de ouf, genre une grande figurine, moi je me tape un petit figurine. Oui. Voilà, je me tape plus, du coup je trouve ça. Voilà. Mais c'est pas grave. Bon, ensuite, ça commence à s'accumuler, mais c'est pas grave, nous on continue comme des thugs. En fait il y a ma valise à côté, je vous montre direct, tout le monde s'est même pas rangé encore. Alors lui c'est Moura, blabla, Shinekna, et c'est le lot D. Voilà, qui est trop mignon aussi, je le trouve super sympa. Vous allez voir beaucoup de Kuroko dans cette vidéo. Alors, ah, boum. On fait tomber le contenu, il reste rien. Il reste un petit papier, mon sang. Oh yes, so cute. Voilà. Ça, c'est le vieux dans le voyage de Chihiro. En fait, moi j'ai pris plein de petits, c'est des espèces de fingers, vous voyez. Comme ça. Voilà, c'est sympa. Ensuite,
Le Chabuse dans Totoro. Le petit le bonhomme étrange qui fait plein de bêtises dans Le Voyage de Chihiro. Et Aku, forme dragon. Je suis trop parfait. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai pris. Ensuite, on va passer aux autres figurines. Voilà, ça c'était, je crois que c'était 250 ou 300 yens l'unité. Oui, c'est un peu cher quand même pour ce que c'est, mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de trucs Totoro à pas cher, donc quand il y en a, on profitait un petit peu, autant vous le dire. Alors, lui, je le trouve trop stylé. Quand je l'ai vu, je suis limite en moi, je le trouve trop beau. 500 yens, voilà. Avouez qu'il est quand même stylé, quoi, ce truc. Trop stylé. Ensuite, en autre grosse figurine, un peu dit, mais pas grosse petite chibi. Ces persos-là, c'est pas trop stylé, mais de toute façon, je vous ferai des ouvertures de ça, ne vous inquiétez pas. 300 yens. Ensuite, bon, je vais vous montrer à travers. Voilà, c'est un petit bulle de Chopper. Tony Chopper, si vous préférez. Donc là, vous avez le socle pour le poser, plus un petit drapeau tranquillement. Ensuite, on va commencer avec vraiment les petits chibis, vraiment sympa. Voilà, on va faire ça comme ça, ce sera plus simple pour moi. Voilà, donc là, je sais plus son nom, 300 yens. Et la plupart sont à 200, mais lui, il est à 300. Et je voulais vraiment essayer de limite avoir la collection complète. Pas non plus, mais quasiment. Alors lui, bon, je pense que vous l'avez reconnu. Je sais plus son nom. Je sais qu'il est dans l'équipe de qui c'est. Ah, c'est écrit en dessous, en plus, je suis con. Yukio Kasamatsu. Et l'autre, bah, c'est Kensuke Fuki. Ouais, ok. C'est bon, on est sauvés, on a les noms. Oui, capitaine. Bref, on s'en fout. Ensuite, bon, on va continuer sur du Kuroko avant de vous montrer la perle que j'ai trouvée. Alors, lui, c'est Shoichi Imayoshi. Ok, donc 200 yens. Vous voyez, l'autre aussi, t'as dans à 200. C'est vraiment pas cher, même si c'est des petites figurines. Je trouve qu'au niveau du prix, ça vaut quand même largement. Lui, c'est celui que vous avez vu en emballage, là. En fait, j'avais pas vu que c'était les mêmes. Du coup, celui avec l'emballage, je vais le donner à ma copine, puisque de toute façon, moi, ça finirait ouvert, donc autant que je lui donne celui avec la boîte pour qu'elle puisse l'utiliser. Ensuite, pareil, 200 yens, par contre, c'est moi. Ah, c'est Takao, là, je suis complètement désolée. Qui a Shutoku. Ensuite, lui, c'est le meilleur ami, enfin, l'ancien meilleur ami, frère de Kagami, qui s'appelle Tatsuya, qui est quand même beau aussi, 200 yens. Ensuite, j'ai acheté, la vidéo doit être ultra longue, j'ai peur de la monter tout de suite. Mais c'est pour la bonne cause, voilà, c'est vraiment pour vous montrer tout ce que j'ai pu acquérir au Japon. Pendant mon séjour de 9 jours, même si on avait tout claqué au bout de 3 jours, bref, on s'en fout. Vous verrez tout ça dans le compte rendu, dans les vlogs que vous avez déjà vu en fait finalement. Mais qui ne sont pas encore postés pour moi. Voilà, donc du coup les gens se retrouvent pour une prochaine vidéo, donc les vidéos, bah, la vidéo d'unboxing, enfin dans le compte rendu, puis une vidéo d'unboxing, etc. de ce que vous aurez choisi dans les commentaires. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir, vous voyez bouger, c'est stylé, genre.